Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous lire une nouvelle histoire que vous connaissez peut-être, je ne sais pas, mais que moi j'ai beaucoup lu à mes enfants parce que je l'ai trouvé très drôle. Aboie Georges. Pour Madeline. Aboie, Georges! Jules fait faire. La maman de Georges dit: Aboie, Georges! Et Georges fait: Mais non, Georges, dit la maman de Georges. Les chats font miaou, mais les chiens font ouf. Allez, aboie, Georges. Et Georges fait coin coin, coin coin, coin coin. Non, Georges, dit la maman de Georges. Les canards font coin coin. Mais les chiens font ouf, ouf. Allez, aboie, Georges. Et Georges fait. Mais non, Georges, dit la maman de Georges. Les cochons font. Mais les chiens font ouf, ouf. Allez, aboie, Georges. Et Georges fait Alors, la maman de Georges emmène son fils chez le vétérinaire. Essayons de découvrir le fin fond de cette histoire, dit le vétérinaire. Allez, aboie, Georges, s'il te plaît. Et Georges fait miaou, miaou. Le vétérinaire plonge la main à l'intérieur de Georges et il en retire un chat. Aboie encore, Georges? Et Georges fait coin coin, coin coin. Le vétérinaire plonge la main loin à l'intérieur de Georges et il en retire un. Aboie encore, Georges? Et Georges fait. Le vétérinaire plonge la main loin, loin, loin à l'intérieur de Georges. Il en retire un cochon. Aboie encore, Georges? Georges fait meuh. Le vétérinaire enfile son plus long gant de latex, plonge la main loin, 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 loin à l'intérieur de Georges.
vache. Aboie encore, Georges? Et Georges fait...